des spies, des carottes, des tomates, puis des poireaux, puis des pommes de terre. Je suis un affaire, je pousse sur terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une laitue, tu veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les beaux gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Je suis un oignon, gnon, gnon, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, pour on me déterre. Je suis un concombre, concombre, je veux être mangé. J'ai bien qu'on vienne me récolter. Je suis une pomme de terre, 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 je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, on me déterre. Je suis un chou, fleur, 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 je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les bons gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Je suis une carotte, rot, rot, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, on me déterre. Je suis un maïs, is, is, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Je suis un poireau, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, on me déterre. Je suis une tomate, mat, mat, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les beaux gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Le gros éléphant chatouille le bébé lion. Le gros éléphant chatouille le bébé lion. C'est quoi? Toi, t'es de la visite, hein? Je le sais. T'as apporté ta valise parce que tu vas rester longtemps? Je vais rester demain, puis l'autre demain, puis l'autre demain, puis après, mon père va venir me chercher. Ma mère a dit que peut-être c'est nous autres qui va aller te reconduire à la campagne avec notre auto. Mais peut-être que mon père va venir me chercher. J'ai apporté mon pyjama. C'est sûr, tu vas coucher ici? J'aime ça, moi, quand quelqu'un couche ici. J'ai apporté deux chandails, mais mon chandail neuf, faut pas que je le salisse. As-tu apporté des jouets pour jouer? Juste mon tracteur. Il est pareil au gros tracteur de mon père. Puis mon jeu de souris. Moi, j'en ai pas de tracteur. Je peux pas te le prêter, parce que j'en ai juste un. Toi, tu sais pas conduire les tracteurs, parce que les tracteurs, c'est pour quand on habite une ferme. Toi, t'habites pas une ferme. Je sais quand même conduire un petit peu les petits tracteurs. Couche, couche, couche. Bonjour, rigodin. Qu'est-ce que c'est, ça? T'as eu peur, hein? T'as vu? Il a eu peur. C'est mon dragon. Ah, fais attention, hein. Il lance du feu par sa bouche. Pâte-moi-le. Non, il te connaît pas, lui. Pâte-moi-le. OK. Tiens, je te le prête. Dragon, ça, c'est Rigodon, c'est mon cousin. Lui, il y a des vaches chez lui dans sa campagne. Tu peux jouer avec mon tracteur, mais va pas vite, hein? Quand il y a des trous, il peut virer à l'envers. Crunch, crunch.
Je fais des crêpes, là. Des œufs, je suis capable. Quand je vais être grand, je vais être un cuisinier. Et maintenant, à quoi on joue? Aux légumes. Oh, moi, je suis la patate. Rigodon, c'est pas ça le jeu des légumes. Arrête, Rigodon. Oh, c'est quoi le jeu des légumes? Il faut dire, quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier. Puis là, on dit un légume qu'on met dans notre panier. Puis quand c'est à ton tour, tu dis le légume qui est dans le panier, puis tu dis un autre légume que tu mets dans le panier. C'est difficile. Oh, c'est difficile un peu, oui, mais on aime ça, nous autres. Ben, c'est moi qui commence. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier une carotte. C'est à moi. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier une carotte, puis une tomate. Rigodon. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier une carotte, une tomate, puis un concombre. Moi. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier une tomate, une carotte, un concombre, et puis... je sais plus quoi mettre dans le panier, moi. Ah oui, de la laitue! Quand je vais... au marché, je mets dans mon petit panier une carotte, une tomate, un concombre, puis... qu'est-ce que t'as dit, Don Bruno? De la laitue. Ah oui, de la laitue et un oignon. Une carotte, une tomate, un concombre, de la laitue, un oignon, puis moi, je mets dans le panier un souffleur. Hey, yeah, bon, Rigodon! Oui, c'est à ton tour maintenant. Mais oublie pas, faut que tu dises tous les légumes qu'on a mis dans le panier. Je vais t'aider. Dis-le avec nous. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier... une carotte. Une tomate. Un concombre. De la laitue. Un oignon. Un chou-fleur. Puis toi, qu'est-ce que tu mets dans le panier? Si ça continue, on pourra pas le transporter, ce petit panier-là. Il va être trop pesant. C'est pas grave! Sais-tu ce que c'est, ça? Ça, c'est un tracteur qui tire une charrue derrière. Vroom, vroom. Pis, gars, es-tu prêt à labourer? Hein, qui, moi? Ben oui, toi.
Ça a l'air de te tenter sans bon sens de conduire ce tracteur-là. Tu veux dire que tu me laisses conduire ton tracteur pour vrai? C'est histoire. J'en ai connu des plus jeunes que toi qui l'ont déjà conduit, tu sais. Il est gros, mais j'aime ça. Pour être gros, il est gros. Hé, pas peur. Je m'en vais être à côté de toi. Bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, pour commencer, là, tu tournes le bouton. Ici? Hé, ça marche, ça marche! Calme-toi, là. On s'envolera pas comme dans un avion. Bon. Pour le mettre en marche, là, il faut que tu embrayes. Pèse d'abord sur la pédale d'embrayage. Bon. Puis là, gars, regarde en avant. Bon. Puis laisse aller la pédale tranquillement. Ça va sûrement impressionner Pascaro et Passepartout quand je vais leur dire que j'ai conduit le tracteur moi-même. Que je conduis bien, Fardoche? Très bien, gars, très bien. Tu laboures comme un vrai fermier. Je laboure? Ça veut dire quoi exactement, labourer? Labourer? Ça veut dire faire des labours. Hein? Vois-tu, la charrue, elle retourne la terre à l'envers en faisant des sillons. C'est ça, labourer. Est-ce qu'il faut labourer souvent? Non, une fois par année en automne. Les labours, c'est pour préparer la terre pour le printemps. Quand le printemps arrive, on sème les graines dans la terre. C'est le temps des semences. Je marche dans mon sillon. Oui, oui, mon sillon. C'est moi qui l'ai fait. Bonhomme comme moi. Ouh! Ah là là! On marche un peu! Toudou, 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 toudou! Oh! Un sillon! Va falloir sauter par-dessus. Et... hop! On l'a eu! Toudou, 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 toudou! Oh! Un autre sillon! On va encore sauter. Et... hop! Ah bon! Doudou, doudou,
Toudou, toudou, tout. Oh! Une rivière. Oh, là, il va falloir sauter haut. Mais on est capable. Et... hop! Oh! Toi, tu l'as eu. Mais moi, je suis tombée les fesses dans l'eau. Canelle? Oui? Oui, maman? Canelle, veux-tu me faire une petite commission? Ah oui, je suis grande, moi, je suis capable de faire des petites commissions. Tu vas aller à l'épicerie, puis tu vas acheter un gros pain croûté tranché. Un gros pain croûté tranché. Attends, je vais te donner des sous. 25, 35... Maman, écris-le sur un petit papier, le gros pain croûté. Je vais me rappeler, mais j'aime ça quand tu l'écris sur un petit papier. Bon, bon, je vais l'écrire. C'est bizarre, ça. Les crayons disparaissent ici. C'est vrai. Chaque fois qu'on a besoin d'un crayon, pas moyen d'en trouver. Peut-être dans le tiroir. Je suis chanceuse, moi. Je vais faire une commission. Un gros pain croûté tranché. C'est écrit, c'est lire, hein? Elle sait lire, ta soeur? Elle raconte des blagues. Canelle a fait une commission, puis moi, j'en fais pas. Je suis capable de faire des commissions. Je perds pas les sous, et puis... Mais toi, j'ai autre chose à te faire faire. Ah oui? Quoi? Il faut que j'aille à côté chez Mme Coucou quelques minutes. Pendant que je vais être partie, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle au téléphone. C'est pas sûr. Mais s'il y a quelqu'un qui m'appelle, tu répondras. Oh oui! Le téléphone est dans le passage maintenant. Je peux répondre, moi, je suis capable. Avant, il était trop haut. Alors tu répondras, puis tu diras « Un instant, s'il vous plaît ». Puis tu viendras m'avertir. D'accord? D'accord. Regardons! Regardons! Il sonne pas. Je gâche qui va sonner. Ah, il sonne pas. Allô, c'est Bruno. Toi, t'es qui? T'as vu, c'est moi qui ai répondu au téléphone. Non, ma mère est pas ici. Elle est chez Madame Coucou. Attends, attends, je vais dire quelque chose. Un instant, s'il vous plaît. J'ai bien répondu, hein? Un instant, s'il vous plaît. Il est allé chercher sa mère. Conduire un tracteur. Oui, oui. Bah, pas toi, Passe-Montagne. Je vous dis que c'est vrai. J'ai conduit le tracteur de Fardoche et puis j'ai labouré la terre avec la charrue. Oh, moi, c'est toi qui le dis. Ouais, oui. Ben, si vous me croyez pas, je vais aller chercher Fardoche. Il va vous le dire, lui. Attention, Passe-Montagne. Veux-tu qu'elle s'échappe? Non, non, non. Ben. Hey, qu'est-ce que c'est, Fardoche? Ah, ça, c'est une idée de Passe-Montagne. Faut lui demander. Ah, on peut la connaître, ton idée, Passe-Montagne? Oui, dis-nous là. D'abord, j'ai conduit le tracteur de Fardoche. Oui, on croit. Ensuite, j'ai labouré la terre avec la charrue. On croit. Bon, bien, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte que Fardoche a apportée? Ça? Oui, ça. Allez, Passe-Montagne! Passe-Montagne! Ça! Oui! C'est une ruche. Une ruche? Pleine d'abeilles. Pleine d'abeilles! N'ayez pas peur, fille. C'est pas dangereux. Ah, oh, ben oui, mais ça pique des abeilles. Ah, si vous les laissez tranquilles, vous piquons pas. Oh non? Ben oui, mais pourquoi avoir apporté ça ici dans la maison? Mm-hmm. Pour les faire hiverner. Hiverner, ça veut dire quoi, ça? Demande à Fardoche. Ben, quand l'hiver arrive, on laisse pas les abeilles dehors, sinon elles vont mourir gelées. On leur fait passer l'hiver dans la cave au frais. D'abord, on enlève le miel des rayons, puis on donne aux abeilles un mélange d'eau puis de sucre. Les abeilles remplissent les rayons avec le mélange sucré, puis ça leur sert de nourriture pour l'hiver.
hiverner, est-ce que ça veut dire que les abeilles dorment tout l'hiver? Non, non. Elles dorment pas tout le temps, mais elles ne travaillent pas non plus. Elles sont à moitié endormies. Ah, oh, comme Passe-Montagne quand il se lève le matin. Qu'est-ce que c'est, Passe-Montagne? C'est un cadeau de Fardoche. Un cadeau? Oui. Des rayons de miel. Oh! Un rayon de miel. Et des pots de miel. Oh! Oh, un pot de miel. On en mange tout de suite? Bien sûr. Oh oui! C'est bon. Oh. T'en veux pas, Fardoche? Pic. Le gros éléphant. Chatouille. Le bébé lion. Du miel, ça, je trouve ça bon. Un rayon de miel. Un pot de miel. Un autre pot de miel. Un rayon, un pot. D'après toi, qu'est-ce que je devrais mettre? Un rayon de miel ou un pot de miel? Regarde bien. Un rayon, un pot, un pot. Un rayon, un pot, un pot. Donc, je vais prendre quoi? Un rayon de miel. Ensuite, un pot de miel. Après, un autre pot de miel. Et après ce pot de miel-là, qu'est-ce que je vais mettre? La boîte vide. Toi, penses-tu que grand-mère serait contente si je lui donnais ça? Un beau pot de miel. Tu sais, les abeilles de Fardoche? Eh bien, avec les dernières fleurs d'automne, elles ont fait ce miel-là. Fardoche en a apporté beaucoup. Il y en a qu'on va manger ensemble, Pascaro, Passe-Montagne et moi. Mais ça me tentait pas de tout garder pour nous. Ce pot-là, j'avais le goût de le donner pour faire plaisir à quelqu'un. On va pas faire des cadeaux rien qu'à Noël, hein? Faut des petites surprises de temps en temps. Oh, et puis le miel. Grand-mère, elle aime ça autant que moi. Je le sais. Je suis sûre qu'elle va être très, 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 très contente. Puis, elle va vouloir qu'on en mange ensemble. Oh! Oh, j'ai assez hâte d'aller lui donner. J'ai hâte de la voir surprise. J'ai hâte de la voir souriante. Tout à l'heure, je t'ai prêté mon dragon, mais mon lit, je peux pas te le prêter. On joue au ballon? Ouais. Lance-le. Attrape-le. Oh! Mon sac! C'est mon sac de couchage. Oui, c'est ton sac de couchage. Youpi! On va faire du camping.
Je vais t'installer un beau lit, Rigaudon. On va mettre de gros coussins par terre, ici. Tu vas dormir entre Cannelle et Pruneau, sur les coussins, puis dans le sac de couchage. Tu vas être bien, hein? Bon, mettez votre pyjama, préparez-vous à vous coucher, je vais chercher les coussins. Chenou, j'ai le droit de me coucher tard. Oh, il commence à être pas mal tard. Tu peux coucher dans mon lit si tu veux. Je te le prête. Moi, je vais coucher dans mon sac de couchage. Veux-tu? Hein, veux-tu? Tiens, un coussin. Maman, Rigaudon, il parle plus. Qu'est-ce qui se passe, Rigaudon? Il y a quelque chose qui marche pas à ton goût? Je vais aller coucher chez nous. Je vais voir mon père puis ma mère. Tu restes loin, Rigaudon. Tu sais, ça prend du temps de se rendre chez toi pour aller jusqu'à ta campagne. Si t'es pas là demain, on pourra pas jouer aux autos de course. Veux-tu les appeler, tes parents? Les appeler? Au téléphone? OK. Qu'est-ce que tu vas dire au téléphone? Je vais dire, allô, maman, je couche ici. Je couche en ville. Dans mon lit? J'aime ça, moi, quand il y a de la visite qui reste à coucher.